Pour ceux qui ne le connaissaient pas, le docteur Jean Bourbeau, il agit à titre de professeur associé au département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail de l'Université McGill. Il est directeur de l'unité de recherche clinique et de réadaptation à l'Institut thoracique de Montréal de l'Université McGill. Ne criez pas trop, mais aidez-moi à souhaiter la bienvenue au docteur Jean Bourbeau. On dirait que le timing était excellent. J'ai manqué quelque chose, moi, pendant l'heure du dîner, de toute évidence. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une mise à jour qui doit être apportée à mon CV. Je suis professeur à McGill. J'étais professeur associé et là, il semble que je ne peux pas monter plus que ce titre. La prochaine étape, c'est la retraite. On dirait qu'il y a une concurrence entre cette salle et la salle voisine. Je pense qu'on peut faire mieux. Je savais, je savais. Je voudrais remercier la Fondation et Alpha 1 pour avoir tenu cet événement à Montréal, donnant l'occasion à tous et à toutes de rencontrer les professionnels de la santé de partout au pays. C'est un privilège. On voit les patients un à la fois dans nos cliniques. D'être ainsi en mesure de s'asseoir et de relaxer et d'avoir par le même l'occasion de parler. Je vous promets de rester ici jusqu'à la fin de l'après-midi. Il y a un médecin résident qui supplie mon absence, mais je serai très heureux de répondre aux questions, même après la période de questions pendant la pause café. Fondation, tout particulièrement aux gens qui se sont déplacés de l'extérieur, mais bien entendu, les gens du Québec et de Montréal. Donc, as you can hear, OK, I'm going to do the. Bon, je ferai la présentation en anglais. J'espère que le système de traduction fonctionne bien. Vous savez, mon accent n'empêchera pas les interprètes. Je pense qu'ils en ont entendu des pires. Je voudrais passer en revue avec vous, non tant les détails, mais des questions. Des questions pour lesquelles vous avez des réponses. Mais on va essayer de comprendre pourquoi les réponses à ces questions ne sont pas satisfaisantes. Et ce qu'il en est des directives. En quoi peut-on les améliorer? Je ferai des commentaires là-dessus. Mais même ce que les directives recommandent dans l'édition 2012 de la Société thoracique, eh bien, est-ce qu'on fait le travail? Je pense que nous avons tous besoin de l'aide des uns des autres pour en comprendre, mais aussi pour mieux faire. Comme le docteur Chapman, on doit donc rendre compte. C'est plutôt récent pour moi que j'ai commencé à consacrer davantage de temps dans l'Alpha 1. Ça m'a pris tout ce temps pour comprendre à quel point cette maladie mérite qu'on s'y penche. J'avais le sentiment que j'avais beaucoup de rattrapage à faire pour être à jour. Partons avec une question, la première question. Bon, qu'est-ce que vous savez de Alpha 1 ATD? Je pense que la plupart peuvent y répondre. Est-ce que c'est une maladie rare?
vrai ou faux. Bon, intéressant. C'est intéressant parce que il faut y réfléchir. Et certains d'entre nous diront, oui, c'est rare. D'autres diront, c'est pas rare. Et tout dépendant de ce qu'on entend par rare, c'est toujours bon de se référer. Enfin, on ne va pas discuter de définition tout l'après-midi. Il n'y a rien de pire que d'avoir des experts qui s'assoient autour d'une table et qui tentent de définir quelque chose. Vous n'avez peut-être pas vu, mais on pourrait y passer toute la journée. Et en définitive, ce serait la pire définition qu'on ait trouvée. Alors, c'est faux, ce n'est pas une maladie rare. Je vous montrerai des exemples de maladies que vous connaissez. Quand on regarde la fibromyalgie, on entend plus souvent parler de cette maladie récemment, d'une maladie rare. Voici la plus fréquente. Mais ce n'est plus une maladie rare. Si on regarde la maladie telle, la fibrose cystique, qu'est-ce que vous pensez de la fibrose cystique? Si c'est rare, eh bien, on en parle beaucoup. Beaucoup d'argent de recherche y est consacré. Et voyez la fibrose cystique si on la compare à l'alpha 1 et dithyrepsine. Donc, un Canadien sur 6 000 sont estimés d'avoir le génotype PIZZ. Et un en 9 000 aux États-Unis et un sur 5 000 en Europe. Si on veut aider notre propre cause, il faudrait commencer par comparer ces nombres, ces chiffres et convaincre les gens autour de nous que ce n'est pas rare. Et c'est la seule maladie génétique, le savez-vous, qu'on connaisse en COPD. Et jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de mieux, ça va être le facteur hôte le plus fréquent et génétique qu'on va connaître. C'est le plus fréquent, le plus commun. Parlons maintenant du diagnostic. Ça va de pire à pire encore. C'est rarement diagnostiqué. Ouais. Mais le problème, si on regarde le diagnostic, il y a seulement 5 % des individus qui reçoivent le diagnostic. Et il y a un délai de plus de 8 ans entre le premier symptôme et le diagnostic, ce qui est très mauvais. C'est là l'un des problèmes. J'ai vu des patients qu'on réfère à moi qui sont prêts pour une transplantation. Mais la question du traitement a déjà été réglée. C'est trop tard. On les a suivis pendant des années. Donc, il y a quelque chose qui nous échappe ici. Et on se demande pourquoi est-ce que c'est si important d'établir un diagnostic précoce de la maladie. Et c'est important, oui, ce l'est, pour améliorer l'issue du patient. Et il y a différentes façons de s'y prendre. Le Dr. Chapman en a parlé partiellement avec vous. Il faut consacrer plus de temps avec le patient. Bon, fumer, c'est pas bon au départ. On devrait conseiller à tout le monde de s'en abstenir et devrait aussi recevoir de l'aide pour cesser. Mais si vous savez que vous avez un ZZ et que vous êtes à risque, alors de toute évidence, vous voudrez en savoir plus. La même chose au travail. Quel genre de travail faites-vous? Mais d'avoir le bon traitement,
traitement symptomatique dont le docteur Chapman a parlé avec vous, puis un traitement non pharmacologique comme la réhabilitation pulmonaire. C'est bon. Mais aucun de ces traitements ne changeront l'évolution de la maladie, sauf la que d'avoir accès à la thérapie d'augmentation. On veut préserver la longue fonction. Passons aux directives. Elles sont conçues afin de guider les professionnels de la santé quant à une meilleure prise de décision. Les directives sont établies méticuleusement avec des règles extrêmement strictes où l'on se sert des données dont on dispose pour établir à partir d'elles ce que sont les preuves. Et vous donnez une série de données probantes en se fondant sur leur valeur. J'ai jusqu'à récemment, ces données nous faisaient défaut. Mais lorsqu'on regarde attentivement, et c'est ce que la directive de 2012 de la Société canadienne thoracique a donné, c'est qu'on a suffisamment de données pour être en mesure de faire des recommandations. Et c'est ce que nous allons passer en revue. Mais ensuite, à partir de ces recommandations, nous allons voir ce qui se passe au Canada. Et se demander si l'on applique ces directives. Car le problème, voyez-vous, c'est la mise en œuvre. Et pour bien des raisons. Il y a peut-être trop de directives. Ou certaines ne sont pas pratiques. Ou que le médecin de famille a trop de directives parce qu'il ne traite pas seulement les maladies pulmonaires. Et lorsqu'il traite de ces maladies, il ne traite pas seulement de COPD. Alors, comment changer et augmenter la conscience qu'un minimum doit être accompli dans le test et dans le traitement? Voyons les recommandations quant au test. Et c'était très simple. Il y avait deux questions qu'on retrouve dans les directives. La première question, c'était quelle est la population et la mieux ciblée pour les niveaux de alpha 1 pour améliorer les patients à risque ou qui ont des maladies pulmonaires documentées. On ne cherche pas ici de counseling ou d'un dépistage, mais plutôt de trouver des cas. Ça veut dire que sur quelle rubrique on devrait identifier des groupes d'individus à risque et leur faire les soumettre à des tests. Et est-ce qu'il y a des preuves à l'effet que ces gens à risque qui appelleraient des recommandations? C'est une étape importante. Quand on regarde le travail, on avons pu recommander des tests ciblés pour une déficience alpha 1 avant l'âge de 65 ans ou avec un historique de tabagisme de moins de 20 paquets par année. C'est pas là une définition, c'est plutôt... On n'utilise pas suggérer, on utilise les recommandations. Mais jusqu'à ce qu'on puisse affiner les choses, cela se paraît assez simple. Ça veut dire que vous faites des tests tous les patients, presque tous les patients de COPD. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est ce qu'on le fait? Chez tous mes patients qui me sont référés à la clinique, ils n'ont pas de test alpha 1. On le fait systématiquement maintenant.
Et je pense que à moins de changer la manière d'appliquer ce test, parce que ça ne coûte pas si cher, mais ce n'est pas compliqué à faire. Mais pour la plupart des patients, et en dépit de la recommandation, ces tests ne sont pas menés. Donc, mais vous avez peut-être la solution. On pourrait en discuter. Cela se fondait sur deux études, une étude avec contrôle et une autre une étude avec des familles pour le groupe de moins de 20 paquets par année. Il y avait manifestement des différences dans les conclusions, dans l'emphysème, dans le MZ par rapport à l'EMM. Parlons d'un cas particulier. Rien de tel que de se demander si en pratique nous faisons ce que nous devrions faire. Nous avons ici une fumeuse de 50 ans qui a été référée pour une maladie respiratoire. Il s'agit ici de l'asthme et de MPOC parce qu'il y a une réversibilité dans le test qui dépasse ce à quoi on pourrait s'attendre. Et elle a une sœur aux États-Unis et elle reçoit déjà de l'oxygène et elle suit une thérapie d'augmentation. Vous voyez ici que sur l'enquête de la thérapie, au début 2008, il y avait une amélioration. C'est un des différents tests, par exemple le test FEV1, et en se fondant sur cette réversibilité, la composante de l'asthme était censée être au sommet du MPOC. Donc, on lui a administré du ICS et des LABA. Puis ensuite, elle a suivi du counseling pour cesser de fumer. Et le CT scan présentait un emphysème des lobes inférieurs. C'est le problème de cette maladie. On va voir ce que sont les recommandations pour la thérapie d'augmentation, mais les recommandations sont toujours fondées sur le FEV1. Donc, quand il y a une déconnexion entre le FEV1 et la perte de masse tissulaire, c'est toujours pour un patient donné, quand vous prenez toute une population, le FEV1 en moyenne sera bas et l'emphysème susceptible d'être plus importante. Mais pour un patient donné, nous avons des patients qui souffrent d'emphysème chez qui ça pourrait être significatif et le FEV1 ne sera pas affecté de manière significative. Ça va donc poser des problèmes parce qu'on a sous-estimé la maladie chez beaucoup de nos patients. Donc, le patient qui a un FEV1 à bas est plus susceptible d'être traité que le patient qui n'a pas un bon degré, mais qui souffre quand même d'emphysème et même souffrir davantage d'emphysème que quelqu'un d'autre. Et ici, nous confirmons que ce patient avait une MPOC. Il y avait une composante d'asthme et aussi le génotype était ZZ. Nous allons revenir au traitement plus tard. Qu'en est-il des tests? Les membres de la famille devraient aussi subir des tests. Donc, les processus et les algorithmes diagnostiques devraient encourager une prise de conscience. Au Québec, nous avons un bon algorithme pour permettre aux médecins
Cet algorithme a été disséminé. On y montre des étapes recommandées. Et on va l'envoyer lorsque certains laboratoires ont été désignés du partir du niveau alpha 1 de laisser au phénotypage et au génotypage et différents autres types d'essais, de tests, et cela s'opère dans divers laboratoires. Il y a des problèmes de délai ou de compréhension pour les médecins quant à savoir le sens. Et lorsqu'on regarde les résultats, pourquoi est-ce qu'on détermine deux niveaux, par exemple ici? Car il y a un niveau ici qui est le niveau protecteur et l'autre, un niveau pour confirmer la nécessité d'autres tests. Très peu de médecins, cependant, comprendront la signification de tout ceci et le besoin de référence du patient à d'autres médecins ou de passer au génotypage. La solution me semble être, comme va requérir des centres comme pour la fibrose kystique, où vous référez un patient à ces centres et ces centres, à leur tour, ont les équipes et les qualifications de l'équipe infirmière aux inhalothérapeutes, aux thérapeutes, pour s'occuper de ces patients et en sorte que le patient puisse ensuite retourner à son médecin. Et les cas les plus graves seraient suivis à cette clinique spécialisée. Et on pourrait, au fil du temps, accroître la conscientisation auprès des médecins. Mais c'est manifeste que les tests ne sont pas faits. Mais si on a défini à partir des directives quelle est la population à risque, et même si nous avons suggéré dans quelle population, auprès de quelle population le test pourrait être mené, est-ce qu'on pourrait passer un test plus simplifié? Nous entreprenons une étude pour laquelle nous allons recevoir un don du gouvernement où nous allons faire des tests. Le séquençage des gènes. Nous allons relever le génome de tous les patients de cette étude. C'est un test qui coûtait très cher et qui devient beaucoup plus abordable. Et par cette étude, nous espérons pouvoir montrer une nouvelle mutation qu'on pourrait associer avec une expression de maladie chez quelques patients qu'on ne traite pas actuellement et peut-être changer la manière d'opérer les tests où, au lieu de passer par diverses étapes, on pourrait passer directement à l'identification du gène ou de la carence génétique et on pourrait de même rendre compte des mutations. Nous n'en sommes pas là. Mais quant au coût, c'est quelque chose qui pourrait être fait dans un avenir rapproché. Il faut, par les données, montrer que cela est plus pratique et plus rentable. Qu'est-ce qu'on sait ensuite des issues et des pronostics chez les patients? Les symptômes sont spécifiques. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Les symptômes de l'emphysème ou de l'alpha 1 déficience, ou est-ce que ce sont différents des syndromes des MPOC en général? Non. Ils peuvent être semblables à symptômes de certains asthmatiques. C'est pourquoi que les médecins ne trouvent pas facile de faire la distinction entre l'asthme et les MPOC. Et aussi dans certaines maladies respiratoires chroniques, comme la myofibrose. Donc,
Donc, cela résulte du développement de plusieurs symptômes non spécifiques qu'on facile à confondre avec d'autres. Quant au déclin de FEV1, est-ce qu'il est accéléré chez les patients? Oui. Comparé avec la population en général, ces individus ont un déclin en les fonctions pulmonaires et une fois que les symptômes sont apparus, les individus sont exposés à un risque accru de morbidité et d'espérance de vie réduite. D'où l'importance de donner à la maladie cette importance qu'elle mérite. Quand on commence à parler d'une maladie où il y a de la morbidité, où l'espérance de vie se trouve réduite, alors on portera de l'attention sur cette maladie. Ça pourrait être la maladie de papa, ou ça pourrait être la maladie cardiovasculaire, ça peut être le cancer. Alors, comment doit-on décliner cette maladie pour avoir la même attention? Eh bien, c'est qu'on ne donne pas à cette maladie l'attention qu'elle mérite, alors que nous avons les données pour montrer que lorsque des patients sont symptomatiques, ça accroît la morbidité et réduit l'espérance de vie. Lorsqu'on se penche sur le traitement d'augmentation, Dr. Chapman en a parlé un peu ce matin, nous savons que ce traitement donne un traitement optimisé au MPOC. Ça doit se donner en plus de d'autres traitements. C'est un traitement spécifique avec des infusions intraveineuses hebdomadaires, bien que cela peut changer, car il pourrait y avoir de nouvelles façons d'administrer ce traitement. Des moyens plus pratiques, des moyens qui permettraient de maintenir un niveau et même augmenter le niveau afin d'obtenir plus de bénéfices que ce que nous avons constaté dans certaines études. Ça fait depuis 30 ans qu'on a démontré l'efficacité biochimique de ce traitement. Ce qui nous donnait des difficultés au cours des dernières années, c'est l'efficacité quant au fonctionnement pulmonaire, quant à l'exacerbation des symptômes. Nous savons également que le traitement est sécuritaire, mais qu'en est-il du coût? 100 000 $ par année. C'est très dispendieux. Il y a 5 ans, lorsqu'on cherchait un traitement qui pourrait être aussi coûteux, et c'est souvent la raison qui est évoquée par des collègues inhalothérapeutes. 100 000 $ par année, c'est beaucoup trop cher. Mais qui suis-je pour décider que c'est trop cher pour maintenir quelqu'un en vie, pour éviter la greffe pulmonaire? Et quelles sont les options pour des patients? Pour certains patients, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre option. Pour ceux qui sont assez jeunes, peut-être que la greffe pulmonaire est une option. Et pour la plupart des patients, la seule option, c'est de mourir prématurément sans obtenir le traitement. Regardons la situation en 2016. Est-ce que vous connaissez des traitements qui coûtent plus que 50 000 $ par année? Les réponses sont inaudibles. Je dois dire que souvent, nos réponses sont fondées sur les émotions. Mais plusieurs décisions sont émotives et non rationnelles. Et lorsqu'on a des groupes de personnes qui font valoir leurs intérêts haut et fort, les choses bougent rapidement, comme c'était le cas pour le VIH.
bien sûr que c'est un désastre dans les pays en voie de développement, mais si on regarde ce qui s'est produit dans les pays développés, la maladie a complètement changé dans les dernières années. Le cancer, la fibrose pulmonaire. Les traitements pour ces maladies, c'est très cher. C'est plus de 50 000 $ par année. Il y a deux traitements antifibriotiques pour la fibrose kystique. Aux États-Unis, c'est 90 000 $ américains par année pour une amélioration de la capacité vitale et pour prévenir la détérioration des capacités vitales de 100-150 cc. Et chez 50 % des patients, le traitement ne fonctionne pas. La fibrose kystique, quelqu'un a mentionné que le traitement est très cher. Le nouveau traitement combiné pour les personnes qui répondent au traitement et qui ont le bon récepteur, ça coûte 350 000 $ par année. Pour toute la vie. Avez-vous vu les résultats de ces études? J'ai vu les résultats des études sur ce traitement. Et les résultats ne sont pas si impressionnants. Mais pourquoi pensez-vous que ce traitement est couvert? Je vais vous donner l'exemple du Québec. C'est couvert par l'assurance maladie. Prolastin est également couvert par l'assurance maladie. Dans la première année, dans mon établissement, il y a 21 patients qui ont la fibrose kystique qui sont sur ce traitement. Combien de patients avons-nous au Québec qui ont un traitement d'augmentation au cours des 10 dernières années? Donc, je ne crois pas que le coût en soi devrait être un motif. Est-ce qu'on a les données probantes sur l'efficacité? C'est la première question qu'on doit se poser. Les lignes directrices qui ont été établies en 2012, et à l'époque, on n'avait pas les résultats de l'étude rapide, et je crois qu'on devrait mettre à jour les lignes directrices et en ajoutant les résultats de cette étude. Mais si on se pose la question sur l'efficacité du traitement d'augmentation chez les patients qui ont le profil ZZ, voici la recommandation qui venait de notre révision. Nous suggérons la considération du traitement d'augmentation. Et quand je me penche sur le libellé de ma recommandation, je suis un peu mal à l'aise. Pourrais considérer... Il y avait un groupe de professionnels qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et je dois... dire qu'on n'avait pas un consensus total, nous n'avons pas une entente totale. Il y avait un consensus, mais il n'y avait pas 100 % des personnes qui ont développé cette recommandation, des experts du comité qui se sont entendus sur cette recommandation. Il fallait atténuer notre recommandation, le faire peut-être considérer ensuite... La recommandation devait être pour des non-fumeurs, des anciens fumeurs avec une MPOC. Et qu'il faut avoir une fonction pulmonaire FEV de 25 à 80 prédite. Il fallait aussi que les patients reçoivent des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. Et cette recommandation était fondée sur des études qui avaient été conduites. Il y avait deux études randomisées contrôlées qui évaluaient la densité pulmonaire. Et on vous l'a expliqué ce matin en présentation de M. Chapman. Il n'y a pas moyen de faire une étude avec FEV1 et avoir le nombre suffisant de patients. Lorsqu'on a des études avec les résultats négatifs, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on avait le bon nombre de patients pour l'étude? Est-ce que le nombre de patients permettait d'être confiant dans les résultats négatifs de l'étude et de se dire que c'est un vrai négatif et ce n'est pas un faux négatif? C'est-à-dire que le traitement est efficace, mais de
pas avoir suffisamment de patients pour montrer l'efficacité ici. Le problème des études qui évaluaient la FEV1 comme résultat. Les échantillons de patients étaient juste trop petits. Ces études nécessitent des milliers de patients. Ensuite, nous avons pris deux études observationnelles randomisées qui venaient de deux grands registres. Un registre allemand et le plus grand registre NHLBI, qui est le registre américain. Si on regarde le test de densitométrie de la masse osseuse et on combinait les résultats des études, on avait des raisons justifiées d'évoquer ces résultats. On était néanmoins en mesure de montrer qu'il y avait une différence du traitement. Et c'est ce que le graphique montre, c'est-à-dire le changement dans la densité. Et les patients qui étaient traités avaient une meilleure densité pulmonaire. La progression des patients traités était dans la bande noire et en gris, le groupe qui a reçu le placebo. Quand on regarde le registre, ce que vous voyez en rouge, c'est que le groupe qui avait subi le traitement d'augmentation, le déclin des fonctions pulmonaires n'était pas aussi rapide que ceux qui avaient reçu le placebo. Lorsqu'on utilise un registre, on n'a pas la même qualité qu'avec une étude randomisée contrôlée. Les études randomisées contrôlées, c'est la meilleure moyen de montrer l'efficacité d'une intervention, car on prend des personnes qui ont les mêmes caractéristiques et puis, de façon aléatoire, on choisit pas selon les convictions personnelles ou les convictions des patients. On choisit de façon aléatoire qu'un patient va avoir un traitement et qu'un autre patient aura le placebo. Et puis, c'est administré à double insu. Les médecins ne savent pas qui reçoit le placebo ou qui reçoit le traitement. Ici, l'étude nous montre qu'il y avait une différence avec des personnes qui ont FEV1. Voilà d'où proviennent nos recommandations. Quand on se penche sur les autres résultats, si on regarde l'exacerbation et la qualité de la vie, on n'a pas de données probantes sur les bénéfices, mais c'est plutôt lié au manque de données. Ici, lorsqu'on regarde la mortalité, il y a un bénéfice associé au traitement d'augmentation. Et ce sont des données qui viennent du registre. Pourquoi c'est de grade Z et non de grade A? Le fonctionnement pulmonaire, c'est un grade B pour l'essai randomisé contrôlé, mais c'est négatif. Les études randomisées contrôlées n'ont pas montré d'amélioration, mais j'ai mentionné pourquoi. C'est parce que la taille de l'échantillon était trop petite. Si on regarde le registre, c'est des données de grade C. Et lorsqu'on regarde la densité pulmonaire dans la densitométrie, c'est un résultat de grade B. Et si on refaisait la révision et on ajoutait les résultats de l'étude rapide, ça deviendrait un grade A, car on aurait des résultats qui se corroborent entre les deux premières études et l'étude la plus récente, ce qui montre une constance de résultats. Soit en puisant les résultats d'une étude ou de l'ensemble des résultats, nous pouvons démontrer l'efficacité. La densité pulmonaire est maintenant acceptée comme résultat par la FDA. Nous savons que la densité pulmonaire a une corrélation avec les améliorations constatées par les patients, comme les symptômes de la maladie, la qualité de vie et le fonctionnement pulmonaire. Il y a suffisamment de données probantes pour affirmer que le traitement d'augmentation est efficace. Et la recommandation faite par les lignes directrices canadiennes en 2012 devrait être renforcée cette année.
Je vais terminer avec une présentation d'un cas. C'est un homme de 43 ans qui a un suivi pour une MPOC. Il a eu un diagnostic de DAAT ZZ en 1993. Il a arrêté de fumer en 1992. Regardez à son fonctionnement pulmonaire. 1,99, 1,24, 1,08, 0,76. La barométrie est un traitement. Puis DLCO, 78%, qui a baissé à 72%, 49%, 29%. Moi, je crois que c'est une agonie lorsqu'on suit ces chiffres. Et quand on regarde l'emphysème qui a été détecté à la densitométrie en 1993, ce patient a été référé à notre clinique en 2013. On lui a administré le traitement d'augmentation. On a évalué le patient en 2014 et puis il a subi une greffe pulmonaire. Envoyer un patient pour une greffe pulmonaire. Pendant toutes ces années, ce patient, quelqu'un a surveillé les fonctions pulmonaires et a seulement vu une baisse constante du fonctionnement pulmonaire. Le même patient, un autre cas, une patiente de plus de 50 ans qui qui avait les mêmes éléments que le patient précédent. Nous avons ajouté différents traitements. Cette patiente se plaignait d'être à bout de souffle ou à court de souffle. Plusieurs médecins lui ont répondu, c'est tout à fait normal. Tu as une MPOC, tu as de l'asthme. On avait regardé le fonctionnement pulmonaire FEV1 qui est à 84%. La densitométrie avait montré un emphysème du lobe inférieur. Mais en clinique, puisqu'on n'utilise pas les méthodes quantitatives, c'est une méthode qualitative, il n'y avait pas de changement clairement décelé à la densitométrie. On aurait pu s'arrêter là. Puis, nous avons fait un test d'exercice et nous avons constaté que la patiente avait raison. Puis avec le test d'exercice physique, nous n'avions pas un test préalable avec lequel comparer les résultats. C'était une erreur. On aurait dû avoir un test d'exercice dès le départ. Mais à partir de ce test d'exercice, on voit clairement que la patiente avait une limite de respiration. Et avait aussi une limitation quant à l'absorption d'oxygène. Mais avec ses fonctionnements pulmonaires du départ, on n'aurait peut-être pas été préoccupé, mais je pense que c'est un cas typique d'une personne qui devrait avoir un traitement d'augmentation. On ne sait pas toujours quand est-ce qu'il faut commencer. Dans certains cas, c'est clair. Dans d'autres cas, ce n'est pas facile de savoir quand est-ce qu'on devrait commencer le traitement d'augmentation. Et quand on décide que c'est le bon moment, en rétrospective, on peut se dire peut-être qu'on aurait dû commencer plus tôt le traitement d'augmentation. Sur quoi devons-nous mettre l'emphase? Même les médecins qui connaissent le DAAT, il n'est pas facile de faire le diagnostic et de traiter la maladie. Il y a trop de délais dans le traitement d'augmentation et on croit encore que c'est trop compliqué et que c'est trop cher comme traitement. Je me suis souvent posé la question en tant que médecin. Est-ce que je trouve que c'est trop compliqué pour moi ou pour le patient? Si c'est trop compliqué pour moi, eh bien, je dois créer un système ou référer le patient à un groupe de médecins ou un centre qui fera le travail pour moi. Si c'est trop compliqué pour moi de faire des services conseils pour arrêter le tabagisme, je vais dire, ça ne me préoccupe pas. Non, je vais référer le patient à un centre d'abandon du tabagisme qui sont nombreux dans le pays.
Et la même chose ici. Si c'est trop compliqué pour le patient, je dois poser la question. C'est pas à moi de décider qu'est-ce qui est compliqué ou pas trop compliqué pour les patients. Je dois demander au patient et donner l'information de façon objective, non biaisée. Il y a des façons faciles de convaincre un patient à dire non. Tous les médecins savent comment s'y prendre. La seule option pour la modification de la maladie, mis à part le traitement d'augmentation, c'est la greffe pulmonaire. C'est triste à dire. Nous sommes chanceux d'avoir des greffes pulmonaires, mais on veut éviter ça à tout prix. On veut prévenir la destruction pulmonaire afin d'éviter la greffe pulmonaire. Le diagnostic est maintenant accessible. Les médecins peuvent y avoir accès. L'abandon du tabagisme est assez répandu. On peut maintenant référer les patients à des cliniques de DAAT. Il y a des centres qui sont prêts à consacrer du temps à ces patients. Ces cliniques existent au Québec. Ces cliniques sont connues. On essaye d'augmenter la sensibilisation des médecins à cette maladie et nous voulons aider les médecins de famille, les inhalothérapeutes et autres médecins à mieux soigner ces patients en faisant les tests et en offrant les traitements optimaux. Là-dessus, merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes les bienvenus. Ça me fera plaisir de traduire la question et de donner la réponse en français et en anglais. And those who want to ask the question in French, you're very welcome. I'm going to translate in English and I'm going to give the answer in English and French. Question over here. Excuse me. You said there were many... Bonjour, vous avez mentionné qu'il y a des cliniques au Québec. Où sont-elles? C'est pas les cliniques MPOC à Montréal. Le CHUM, par l'entremise de la clinique MPOC. Il y a aussi une clinique à Québec, à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de l'Université Laval. Encore une fois, c'est par l'entremise de la clinique MPOC. Est-ce que mon médecin peut me référer? Oui. Votre médecin peut vous référer? Ou n'importe quel autre médecin peut vous référer. Je suis déjà suivi par un pneumologue. En toute honnêteté, et il y en a de plus en plus. Et certaines infirmières qui travaillent en MPOC pourraient vous aider. Isabelle Drouin, Isabelle Ouellette. Je dois vous dire que nous avons de plus en plus de patients référés par des inhalothérapeutes. Soit les inhalothérapeutes veulent une deuxième opinion. Je dois vous avouer que c'est plus de travail. Ça prend une équipe d'intervention. Et c'est ce que nous avons dans les cliniques MPOC, c'est-à-dire des infirmières, des inhalothérapeutes et d'autres spécialistes qui peuvent vous aider. Donc, vous pouvez être référé. Nous avons de plus en plus de références de ces patients par des inhalothérapeutes de Montréal et ailleurs. J'aimerais aussi savoir pourquoi c'est difficile, pourquoi est-il difficile, étant donné les règles de la RAMQ, que la RAMQ accepte le traitement. On m'a refusé une fois. Ce n'est peut-être pas la faute de la RAMQ. Je peux blâmer la RAMQ pour plusieurs autres problèmes, mais je vais essayer d'être objectif ici. Au Québec, à l'heure actuelle, c'est un médicament couvert. Je ne sais pas pour combien de temps ça va être couvert. Ça pourrait changer. Je ne pense pas que la RAMQ pourrait arrêter la couverture sans demander au ministre de la Santé, demander à l'Association des pneumologues de la province du Québec. Si la RAMQ pense arrêter de le couvrir, ça va peut-être changer. Mais
si je me fie au nombre de personnes dans ma clinique qui ont ce traitement, ça va toujours en augmentant. Ça a été quelque chose de compliqué pour la RAMQ, mais la RAMQ va suivre les règles établies par la société. Jusqu'à présent, la RAMQ suit les recommandations de la Société canadienne de thoracologie. La RAMQ pourrait demander à l'Association des pneumologues de la province du Québec demander à ceux-ci de faire des recommandations. Ou la RAMQ pourrait composer un comité d'experts pour faire des recommandations sur la couverture de ce médicament. Si vous n'êtes pas conforme aux critères, c'est plus compliqué. Peut-être, dans votre cas, vous allez avoir besoin d'une deuxième opinion. Est-ce qu'il nous faut quand même faire valoir votre cas auprès de la RAMQ pour obtenir le traitement d'augmentation? Ce n'est pas simple et je suis convaincu que ça va rester compliqué. Mais ça change d'une province à l'autre. Les personnes de la Fondation le savent très bien. C'est très compliqué dans d'autres provinces. Souvent, le système provincial qui ne couvre pas ce traitement. Oui. Je sais que certains inhalothérapeutes vont donner de l'oxygène ou prescrire de l'oxygène pour l'exercice. Est-ce qu'il y a des recommandations là-dessus dans les lignes directrices? La ligne directrice n'était pas sur le traitement de l'oxygène, mais surtout sur l'alpha 1 antitrypsine. Je vous ai monté les lignes directrices, une sur les tests et l'autre sur le traitement d'augmentation. Je vais répondre à votre question, néanmoins, mais c'est la limite d'une ligne directrice. La façon dont on conçoit les lignes directrices, c'est qu'on va décider en fonction d'une révision. On devrait impliquer les patients dans nos questions. Les nouvelles lignes directrices vont avoir la participation des patients dès le départ. Et même dans la question qu'on adresse dans la ligne directrice, on va impliquer les patients. Cela étant dit, il y a des lignes directrices sur l'utilisation du traitement d'oxygène dans les MPOC. Les recommandations peuvent aussi venir de la province, car l'oxygène comme médicament va être livré par les provinces. Et puisque c'est les provinces qui défraient pour ça, ça va être au système de santé provinciale à décider. Et les règles et les critères peuvent varier d'une province à l'autre sur le traitement à l'oxygène. Étant donné les données probantes que les patients qui ont un certain niveau d'oxygène dans le sang. Et ça doit être en dessous du niveau de 55 mg de mercure. Quand on administre de l'oxygène à ces patients, pendant 18 à 24 heures, ces patients vont avoir une meilleure survie que ceux qui reçoivent 12 heures. Et ceux qui en reçoivent pendant 12 heures ont une meilleure survie que les patients qui ne reçoivent pas d'oxygène. Cela a été établi par deux études randomisées contrôlées des années 1980, l'étude MRCK au Royaume-Uni et le NET-T trial aux États-Unis. Et entre 55 et 60, des patients qui ont des complications, qui ont beaucoup de globules rouges ou autres éléments, qui démontre que le ventricule droit du cœur travaille trop fort pour l'administration d'oxygène pendant la nuit ou l'oxygène pendant la fatigue. On n'a pas de preuve que ça améliore la qualité de la vie, que ça augmente la survie ou que ça réduit la mortalité. Ainsi, les recommandations varient d'une province à l'autre. Au Québec, par exemple, l'administration d'oxygène pendant la nuit
pas indiqué. Ainsi, vous n'aurez pas à avoir cette couverture, à moins d'avoir une réponse au traitement d'augmentation à long terme. À moins de pouvoir prouver que nous avons amélioré les symptômes d'un patient lorsqu'il est épuisé. On peut prouver le cas avec une MPOC très grave, que le patient aurait un bénéfice lié à ce traitement des gènes. On peut empêcher l'hospitalisation du patient, mais c'est une minorité de patients et ça demande beaucoup de documentation, car nous n'avons pas de données probantes sur cet aspect. On attend pour une autre question. Je pense à le dernier cas de la femme dont le fonctionnement pulmonaire fonctionnait assez bien, mais la densitométrie avait des résultats moins intéressants. Quelle serait la place pour l'exercice pour une patiente comme celle-là? L'exercice n'est jamais inclus dans les recommandations qu'on a. Lorsque j'ai fait ma formation en allothérapie, on faisait des tests d'exercice beaucoup plus fréquemment qu'on le fait. Et pour obtenir le résultat sur le test d'exercice, ça prenait tout un matin. C'était les techniciens qui devaient le faire. Ça prenait un matin complet à faire les calculs. Maintenant qu'on a de l'informatique, on obtient les résultats immédiatement. Et même dans la formation des professionnels de la santé, on s'en va vers l'imagerie et on a abandonné l'évaluation fonctionnelle. Car la place d'un test d'exercice, c'est de tester le patient lorsqu'on fait subir un stress au patient, contrairement à faire un test à l'état de repos. Dans mon établissement, je suis un peu biaisé car je suis en réhabilitation pulmonaire. Je fais beaucoup de physiologie, nous avons une équipe multidisciplinaire et je pense qu'on va reprendre les tests d'exercice systématiquement. Nous allons le faire pour tous les patients. Nous souhaitons créer une série de tests d'exercice et de montrer l'utilité de ces tests. Nous avons une très grande cohorte au Canada que nous menons. Ce sont des sujets. Nous avons une centaine de mille sujets qui ont une maladie faible. Nous allons combiner l'évaluation quantitative et qualitative avec le test de fonctionnement pulmonaire avec chaque sujet et un suivi après 3 ans. Et nous allons essayer de voir si le test d'exercice joue un rôle pour détecter les patients qui passent sous le radar, car ils ont peut-être juste un petit ralentissement. Et si on ne les stresse pas, on ne peut pas connaître la physiologie qui est déjà altérée. Donc, une réponse courte à votre question, c'est non, peut-être éventuellement. Nous avons une question qui nous a été envoyée par quelqu'un qui suit en direct. La question est la suivante. Je suis une patiente avec un profil ZZ, un FPC est 133% et l'FEV1 est à 101%. Au cours des 7 dernières années, ma capacité de diffusion a baissé de 91% à 64%. Est-ce que le traitement d'augmentation pourrait aider à réduire la perte de capacité de diffusion? Je vais vous résumer ce que ces résultats veulent dire, à moins que quelqu'un voudrait me dire. Bon, la situation ici, au cours de 6 à 7 ans, les tests que ce patient a subis, les morts, que le FEV1, qui est la mesure que vous comprenez sûrement mieux, car vous subissez ce test
assez souvent. Ce qui est plus bas que la capacité d'air qu'on peut exhaler. La capacité vitale forcée. Quand on regarde le ratio de FEV1 qui est à 130 % de ce qui a été prédit, et on regarde le FEV1 qui est à 101 %, ce ratio a été réduit. Donc, il y a présence de MPOC, car la définition de MOPC va se fonder sur le ratio post-bronchodilatation, qui est à 7 par proportion, et une réduction de FEV1, alors que l'FVC est au-delà de la normale, à 130 %. Mais le FEV1 est néanmoins au-dessus de 80 % de ce qui a été prédit. Ce qu'on appelle une MPOC légère. Un problème, c'est que le DLCO baisse. En quoi consiste le DLCO? C'est la capacité de diffusion. Ce qui nous indique, à moins qu'elle a une anémie qui augmente avec les années, ce qui est fort peu probable pour expliquer le DLCO bas. Dans son cas, avec le profil ZZ, ce patient a une plus grande destruction du tissu pulmonaire, l'emphysème. Il n'y a pas de mention de la densitométrie, mais je suis convaincu que le médecin a fait un test de densitométrie, ce qui aurait révélé de l'emphysème. Est-ce que cette baisse est suffisante pour dire qu'il y a une perte au cours des 6 dernières années dans la densité pulmonaire par rapport à la densitométrie, je ne sais pas. Mais le DLCO baisse. Et ces cas-là sont problématiques. Si on regarde les recommandations de la Société canadienne de thoracologie, regardons les lignes directrices. Il y a une question. On utilise les données probantes. On ne peut pas prendre des données qui n'existent pas. Et avec les données probantes, on formule des recommandations. Il y a une lacune en ce moment. Il y a une certaine contradiction entre les différents résultats pour le patient en question. Je croirais que le patient pourrait bénéficier du traitement d'augmentation, dépendamment de sa province ou même de son assurance privée. Vous savez, c'est quoi le problème avec les assurances privées? Il y a 10 ans, les assureurs allaient de leur côté. Maintenant, les assureurs privés vont arrimer leurs règles avec les règles provinciales. Les assureurs sont futés. Ils n'ont pas besoin de mener des études ni être pointés du doigt. Dans ce cas-là, il faudrait faire un test d'exercice. Ce serait un candidat parfait pour pousser les choses juste un peu plus loin et de voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Mais cela aussi dépend de la province dans laquelle le patient se situe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, vous avez mentionné à quelques reprises pourquoi ne pas faire plus de tests. Donc, ma question est la suivante. Les personnes avec une MPOC sont des personnes un petit peu plus âgées. Peut-être que ce sont des anciens fumeurs ou des fumeurs encore. Comparé à un groupe de fibrose kystique, est-ce que les fumeurs plus âgés sont marginalisés parce qu'on dirait, soi-disant, que c'est de leur propre faute et qu'ils ont juste à subir les conséquences? Merci de poser la question. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons des comportements fondés sur nos connaissances, fondées sur notre expérience
et nous ignorons beaucoup de choses. C'est sûr qu'il y a une différente sensibilité au malade. Il y a certains patients qui ne sont pas responsables, car il y a la notion de responsabilité qui entre en jeu. On va dire, ah, ce pauvre enfant n'a pas choisi d'être malade. Et qu'il n'y a rien qui démontre que c'est une exposition qui a mené à la maladie. Étant donné que c'est un enfant qui n'a pas été exposé à quelque chose qu'on peut contrôler. Les MPOC sont souvent exposés au concept de blâme. Mais la fibrose kystique n'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais peut-être que je peux vous rappeler que les maladies chroniques sont presque toutes causées par des mauvaises habitudes de vie. Maintenant, à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'on soit en Inde, en Chine, aux États-Unis, en Europe, quelles sont les maladies les plus mortelles? Ce sont les maladies chroniques non contagieuses. La majorité de ces maladies ont des facteurs de risque connus. Il y a certaines maladies pour lesquelles on ne connaît pas le facteur de risque, comme l'Alzheimer. Le diabète, nous connaissons les facteurs de risque. Est-ce qu'on va blâmer les personnes qui en souffrent? C'est un problème à l'échelle mondiale. Et la cause plus courante du diabète, c'est l'hypertension. Les maladies cardiovasculaires sont en recrudescence. La morbidité, la mortalité des maladies du diabète augmente et il y a aussi une recrudescence de la morbidité, la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires à cause des mauvaises habitudes de vie, mauvais régime alimentaire, manque d'activité physique. Donc, il y a un double effet sur les MPOC quand on parle de déficit en alpha 1, antitrypsine, il faut dire que c'est une maladie génétique. Et ces personnes qui ont une maladie entièrement génétique, on devrait tourner la situation de bord et d'utiliser ça comme un avantage. Merci, docteur. Merci beaucoup.